Hello! On se retrouve pour un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Et oui, c'est officiel. Je suis en vacances pour 2 semaines. Et je suis malade. J'ai passé mon week-end, parce que là on est mardi des vacances, de la première semaine de vacances. J'ai passé mon week-end dans le coma, moitié, enfin vraiment comateuse. Hier, à siester, et là on va dire que ça va pas beaucoup mieux. J'ai une voix un peu cassée, j'ai encore le nez pris, mais bon, faut bien que je me bouge un peu. J'ai l'impression que sinon j'ai passé ma semaine à être malade, à être amorphe, et ça m'énerve. Vraiment ça m'énerve quand, je sais pas vous, hein, mais quand on est en vacances et que... Bah, on est malade et qu'on est amorphe. Et voilà, après c'est souvent comme ça quand on est enseignant, on a le contre-coup de toute la fatigue accumulée et voilà. Mais faut que je me reprenne un peu en main, j'espère que ça va aller mieux là ces prochains jours. Et du coup j'avais envie de me booster avec vous, parce qu'à chaque fois que je fais une sorte de petit vlog comme ça un peu, bah ça me booste, ça vous booste, ça nous booste ensemble. Donc espérons, si vous avez repris, bah j'en suis désolée, je sais que les Parisiens ont repris le chemin de l'école. Nous on va enfin pouvoir profiter, parce que je vous avoue que être les derniers en vacances, c'était dur. Mais voilà, on y est. En ce mardi, on a de la chance, on a un énorme rayon de soleil. Il fait méga beau, ciel bleu, soleil. Ah, ça fait tellement du bien. Je me suis donc enfin maquillée au bout de 3 jours sans rien. Même si j'ai vraiment les traits fatigués, je trouve, malgré le maquillage. J'ai utilisé aujourd'hui la petite palette comme ça de chez Natasha Denona, la Mini Starlet. Et mon mascara favorite, qui est le Dose of Black de chez Dapop, que j'avais acheté à Barcelone, qui est une marque, je pense, espagnole, et qui est vraiment petit prix et trop bien. Il faudrait que j'en retrouve un prochainement, mais là il est sur la fin, je l'aime trop. Et j'ai mis mon nouveau t-shirt, hop, rêveuse, que j'ai acheté chez Grande Malice, parce que, enfin c'est pas un t-shirt, c'est un pull sweat chez Grande Malice, parce que vraiment j'ai kiffé sur le modèle, je trouvais simple, beau, en plus un peu blanc comme ça, je trouve que ça changeait, c'est pas le style de sweat que j'ai beaucoup à la maison. Et surtout, grande nouvelle dans ce vlog, oui c'est officiel aussi, donc en plus d'être malade et d'être en vacances, c'est officiel, je serai prochainement une résidente canadienne. Et oui, avec Chérie, on a obtenu notre fameux visa résidence permanente. C'est juste incroyable, c'est juste fou. De toute façon, je vous ai prévu logiquement une vidéo qui va retracer un peu notre parcours, mais nous avons obtenu notre résidence permanente pour en 1 an, hein. On a fait 1 an de paperasse, etc. Et là, on va pouvoir être résident canadien de façon permanente, donc je crois que c'est, je sais pas exactement, mais c'est pour un certain temps, donc ça va être trop cool. Oui, du coup j'ai pas terminé ma phrase, je crois que j'ai été coupée par mon fils, mais rêveuse, parce que oui, c'est officiel, nous serons résidents canadiens, et c'était un de mes rêves, donc continuez à rêver, et faites tout ce qu'il faut pour y arriver. Je voulais vous partager un petit jeu que j'aime beaucoup, et j'en ai parlé sur Instagram, parce que là-bas je vous partage pas mal des jeux que je fais avec mes élèves ou avec mes enfants, et je vous ai fait un réel spécial jeu assez sympa à utiliser avec les élèves ou vos enfants, des jeux pédagogiques, et là mon fils il est en train d'en faire un, donc je vous montre. Allez, tu expliques, Kezia, t'es en train de jouer à quoi? En train de jouer à un jeu où t'as... C'est un jeu où il faut faire quoi? Où vous mettez les mêmes couleurs. La même couleur et la même forme. Forme. Ouais. Alors, celle-ci c'est quoi? Orange. Losange. Losange. Celle-ci c'est quoi? Oui. Rectangle. Lune. Étoile. Et là t'as choisi le... Bleu, jaune, vert, rouge. Ok, super. Allez, vas-y, alors on te laisse faire. Ce jeu, ça vient du site Salut les parents, qui fabrique ces petits plateaux comme ça et qui vous fournit avec tout un tas de petites cartes vraiment sympas pour pouvoir travailler la numération, les couleurs, les formes, le repérage spatial aussi. Regardez, ce matin on a fait ça avec Kezia, il a adoré. Donc vous leur donnez la petite carte et ils doivent remettre les formes géométriques au bon endroit sur le quadrillage. Donc repérage dans l'espace et sur un quadrillage, c'est plutôt pas mal. Là ça fait travailler le tableau à double entrée, donc
c'est vraiment sympa. Et on a tout un tas de d'accessoires que moi j'ai mis dans des petites boîtes comme ça pour pouvoir travailler, vous voyez, pour la numération. Moi j'utilise ça en classe pour mes élèves. Là vous avez aussi les motifs, donc ça on n'a pas encore fait avec Kevia, les formes, les couleurs. Enfin, vous pouvez travailler vraiment différents types d'activités variées et ludiques. Donc Kezia, depuis hier, il est à fond, hein. T'adores ? T'aimes bien ? Oui. Oui, t'aimes bien. Donc voilà, depuis hier, il passe son temps à faire ça, donc on est content. Ça l'occupe avant le centre. Entre deux siestes hier, j'ai réussi à trier un peu mes classeurs, puisque mon inspection a été reculée à la rentrée. Du coup, là, j'ai trié tous mes classeurs de CP, etc. J'ai gardé vraiment les documents qui m'intéressaient, qui sont ici. Et je pense que je vais les scanner, les mettre dans mon iPad pour avoir des traces version numérique. Parce qu'il y a des choses intéressantes dans, même dans ce que j'avais. Et puis, comme d'habitude, il me reste tout ça à vendre. Attention, Kezia a fini. Montre-nous. Ouais, t'es trop fort. Tout bon. Trop facile pour toi. On va essayer un nouveau jeu. Alors, Kezia, maintenant, tu dois respecter la forme. Ici, t'as vu, c'est des... Ah, maman, j'ai fait deux fois le même. Attends, on va changer. On va mettre celui-là. Paf. Donc ici, tu dois respecter les lignes en diagonale. Ici, les vagues. Ici, les petits points. Et là, les petites étoiles. Et là, tu respectes bien la couleur. Non. Ça, il faut que ça soit quelle couleur? Voilà. Rouge et vague. Très bien. Étoile. Oui. Rouge. Oui, il y a du rouge, ouais, c'est bon, vas-y, continue. Est-ce que tu vois autre chose? Pas le rouge comme ça. T'as pas le rouge avec les gros points? On regarde dans les autres paquets peut-être, non? Non, là c'est... Ah ouais, alors attends, est-ce qu'on change? Ah, regarde, on va mettre celui-là. Celui-là, celui-là. Allez, vas-y, on te laisse continuer, on revient après. Voilà, Kezia, il a presque fini. Il cherche les deux derniers. Dernier jeu pour Kezia, il faut ranger du plus petit au plus grand. Non, là, ça, on commence par le plus petit. Il faut respecter la couleur aussi, Kezia. Donc là, il faut mettre le plus petit rouge, le moyen rouge, le grand rouge. Lui, c'est le plus petit? Bah, il faut que tu regardes si t'en as d'autres cartes. Là. Regarde, cherche. Pour comparer les, tailles. Est-ce que tu as d'autres noirs? Alors, c'est lequel le plus petit? Alors, lui, c'est le grand ou c'est le moyen? Moyen. Mais non, mais le pas dessus. On le met où le moyen? Là. Ah oui, là. Tiens, hop. Oui, bah vas-y, fais-le. Et là, là. Voilà, donc plus petit, moyen, grand. Allez, maintenant, la petite maison. Kezia, on se retrouve dans mon étage tout en haut, puisque il faut que je vous montre quelques petits colis que j'ai reçus gratuitement. Et comment vous dire que j'ai pas du tout unboxé tout ça sur Insta ou ici. Et j'ai les dernières semaines d'école étaient juste dingues. Voilà. Ok, let's go. Vous voyez qu'il y a des choses à vous montrer, c'est juste de la folie. Je vous montre d'abord rapidement celles qui attendent depuis plus longtemps. Je pense que c'est les box du mois de... les box de février et que j'ai pas du tout ouvertes encore. On a la Beautiful Box qui est sur un thème un peu sympa, là j'aime bien, un peu luxe. À l'intérieur on retrouve une routine plutôt sympa. J'avais commencé en fait à vous l'ouvrir en vidéo puis au final ça n'a pas enregistré. Donc je vous la montre là, c'est sur la... Une routine un peu Gatsby, le magnifique. Et il y a vraiment des produits un peu ensorcelants, un peu enivrants comme ça, dorés. Donc on a d'abord un shampoing pailleté à l'huile d'argan comme ça, de la marque Biorgania, pardon.
Donc c'est plutôt cool. On a une super huile. Et ça, j'ai trouvé ça très sympa. Un peu raffermissante. De la marque Melvita, qui est une super marque. Hein. C'est l'or rose. Une huile fermeté suractive. Donc elle se présente comme ça. Donc très beau packaging. Ça, j'ai bien envie de la tester. Donc triple action. Raffermi, affine et lisse. 80%, 99% d'origine naturelle. Donc... beau produit dans la Beautiful Box. On a une crème sublimatrice effet matifiant et nacré à l'aloe vera, comme ça, de la marque Blur. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, d'ailleurs il faut qu'on fasse le tirage au sort aujourd'hui ensemble de la gagnante du dernier vlog. C'était un vlog tri spécial Canada. Du coup, ben là, on va faire le tirage ensemble et je vais évidemment reprendre pas mal de produits, de choses que j'ai eues là gratuitement, que je vais vous offrir dans un lot que je vous montrerai juste après avoir unboxé tout ça. Donc ne vous inquiétez pas, il y a des cadeaux pour vous. Et on trouvera bien un petit mot bonus à mettre dans les commentaires. Évidemment, il faut liker tout de suite cette vidéo et vous abonner. Hein. Il faut faire partie de la team pour pouvoir remporter un gros lot. Mais comme je vous l'ai dit, je vais bientôt déménager au Canada. Et du coup, il y a quand même pas mal de choses que j'ai envie de vous offrir au fur et à mesure de ces petits vlogs un peu partage entre nous. On a un contour des yeux, bah, par exemple ça il va aller pour vous parce que j'en ai 500 en stock. Beautiful Box en met souvent dans sa box et ça c'est vraiment cool, mais j'ai pas le temps de tous les utiliser. Donc là c'est Julie in Grace et c'est un produit made in France. Donc très très bien, ça voilà, je connais pas, mais c'est un très bon produit pour avoir une belle routine. Et on a une crème corps extra riche de la marque Coslis, amande douce bio. Ça c'est le genre de produit que je vais beaucoup aimer, ici on utilise. En plus le format j'aime bien. Voilà, pour une crème corps comme ça, je trouve ça très pratique. Et on a deux petits produits make-up, un double pinceau, et ça c'est plutôt cool, ça je vais le garder. Un côté un peu biseauté d'un côté et un peu fluffy de l'autre. Ça c'est plutôt cool. Et on a un crayon de la marque, ah oui, c'est ça, c'est la marque Boho Green Make-up. On a un jumbo 2 en 1 qui fait liner et fard à paupières, que vous pouvez utiliser avec le pinceau pour pouvoir l'estomper. Et alors les couleurs, elles sont plutôt canon, c'est un petit doré un petit peu comme ça d'un côté et de l'autre côté un peu cuivré. Donc c'est des jolies couleurs pour le quotidien. Ça je verrai si je vous le glisse aussi dans la box cadeau pour vous. Mais c'est plutôt une jolie box pour le mois de février. La box du mois de février de chez My Little Box, elle est trop canon déjà, toute rose comme ça avec écrit la flemme. Ouais, c'était exactement ça le mois de février, j'avais la flemme de tout. Et cette box me donnait trop envie. Elle est comme d'habitude toujours dans les mêmes teintes, dans le même style de packaging. On a le temps de ne rien faire, une petite boîte comme ça avec une bougie. Ça c'est cool. Ben voilà, pour rester farniente dans le canapé avec la petite bougie allumée, c'est plutôt sympa. Elle est dans les tons violine, elle est trop mignonne, regardez ça. Oh, c'est trop joli. Regardez, ça c'est un bel objet en plus de décoration. J'aime beaucoup, je la trouve très jolie. Je pourrais même la mettre ici, voilà, une petite touche un peu... voilà, vous la voyez pas, mais elle est très belle. Elles sont absolument rien évidemment hein. Petit pochon où à l'intérieur on a les petits produits. Donc il a pas l'air très gros, donc je me demande bien ce que c'est. Ah bah ça c'est plutôt sympa. Ils ont mis un petit thé au gingembre et au citron. Bah je vais bien en avoir besoin. Donc ça je vais le manger, je vais le manger, je vais le boire tout de suite parce que vraiment j'en ai besoin. On a un exfoliant superfood de café régénérant pour le visage. Ah j'aime bien le format, j'aime bien le packaging, ça me plaît vraiment bien. C'est la marque CF je crois, hein, j'ai l'impression. Non, Dr. Botanicals. Je connais pas du tout. De la marque My Little Beauty, on a un contour des yeux marin. Donc pour vous dire que j'en ai des contours des yeux. Donc il y en aura forcément pour vous. C'est un grand format, dis donc, hein, c'est un 30 ml. Et une petite eau micellaire comme ça de chez Aven. Ça, forcément, ça va être pour vous. Même si c'est un tout petit format très sympa. Moi, j'utilise pas d'eau micellaire. Voici la grosse boîte qui était au fond de la box. C'est assez impressionnant. Alors, do what you want, un plateau multi-usage. Ils font des petits trucs comme ça, assez sympa. Du coup, pour rester à traîner dans le canapé ou quoi. Voilà, un petit plateau sympa. Et que vous pouvez customiser. Ah oui, j'avais vu ça sur leur Instagram. On peut le customiser. Donc, il est un peu en forme de cœur parce que c'était le mois de la Saint-Valentin. Je pense que c'est un petit clin d'œil. Et vous pouvez le peindre et le customiser et tout ça. C'est plutôt mignon. C'est plutôt joli. Est-ce que je vais le garder ? Honnêtement, je ne sais pas, parce que pour mon déménagement tout au Canada, c'est pas hyper pratique. Même s'il est déjà dans une boîte, je vais réfléchir, sinon ça sera pour vous. J'ai reçu 4 colis de folie de la part de Wide.
Vraiment merci. Alors c'est une marque que j'ai déjà commandée, c'est une marque que j'ai reçue une première fois en collaboration et après j'ai recommandé moi-même parce que j'adore leurs déodorants. Ils sont vraiment très très efficaces sur moi et d'ailleurs c'est ce que j'utilise le plus maintenant obligatoirement. C'est vrai que j'ai tendance à essayer de finir d'abord mes stocks de la marque Ride et après j'utilise les autres quand j'en ai plus, mais vu que j'en avais racheté, j'en ai pas mal en stock. Ils m'ont envoyé déjà un de leurs mini. Vous savez, ils existent en mini comme ça, qui sont tout packaging, en cartonné, pour glisser dans le sac à main. Et c'est à vous de pousser pour que le déodorant sorte. Et c'est hyper bien au niveau du format pour glisser dans le sac à main, c'est parfait. Là, ils m'ont envoyé orange, épicé et poire. Honnêtement, j'avais peur, mais c'est l'odeur de poire qui ressort, donc ça sent très très bon. Ils m'ont envoyé aussi un petit format. Alors je ne sais pas, il y a dû avoir une erreur dans la commande, mais je vous le montre. Vous pouvez faire graver en fait votre prénom dessus si vous êtes plusieurs à utiliser dans la salle de bain. Et là ils m'ont envoyé le format Jenny. Sauf que moi je m'appelle absolument pas Jennifer. Je ne sais pas. Donc ça doit être une erreur dans l'envoi. En soi, je pourrais m'en servir, hein, mais j'en ai déjà un. En plus, ils m'en ont envoyé d'autres. Donc celui-là-ci, puis peut-être que je vous le glisserai. Peut-être que ce sera une Jennifer qui gagnera, je ne sais pas, mais en tout cas. L'idée est bonne et j'aimerais bien qu'ils m'en envoient un. Du coup avec Karine par exemple, ça serait plutôt cool. J'en ai reçu un tout violine, trop magnifique. Celui-ci ça va être pour ma fille, elle veut absolument l'avoir. Elle commence à mettre un petit peu du déodorant parce que parfois elle sent fort. Et malgré le fait de se laver tous les soirs, bah, ça arrive hein, quand elle transpire, ça sent plutôt fort. Donc je lui en mets les jours où elle fait sport parce que ça permet voilà, d'éviter... j'ai pas envie qu'elle soit stigmatisée par ses camarades, malheureusement ça arrive hein. Donc celui-ci ça va être pour elle, elle va être trop contente. Et ils m'ont envoyé deux nouvelles odeurs, la rose pétale, donc je pense que ma fille elle choisira, et la deuxième c'est linen and lilac, donc des odeurs plutôt fleuries. C'est pas ce que je préfère, mais c'est des odeurs assez douces qui sentent très bon. J'aime bien, alors la lila, elle sent fort le lila quand même, mais c'est plutôt agréable. La rose, moi je suis pas du tout fan de la rose, donc je proposerai à ma fille. Mais là c'est une rose toute douce, assez agréable aussi. Vraiment leurs odeurs, elles sont canons dans les déodorants. Donc je vous l'avais déjà raconté, ces recharges, je vous les glissez à l'intérieur de ce packaging là. Et quand c'est fini, vous l'enlevez. Alors il faut bien remettre en bas pour l'enlever, pour pouvoir l'enlever. Et c'est en carton en fait, la recharge est en carton. Du coup vous pouvez tout simplement bah, la mettre dans votre recyclage cartonné. Et ça vous le gardez pour mettre votre prochaine recharge. C'est vraiment trop bien. Et j'ai un code promo je pense pour vous. De toute façon tous les codes promo que j'ai avec les colis que je reçois, je vous mets ça dans la barre d'infos. Parce que je pense que ça peut en intéresser plus d'une. Moi sachez, je ne jure que par cette marque là. Et ils ont décidé aussi de m'envoyer leur fameux gel douche que je n'avais pas du tout reçu encore. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont reçu en collaboration, moi j'avais rien reçu. Et donc leur gel douche, c'est un packaging en carton, comme ça, enfin en carton, en plastique recyclé. Et vous mettez la recharge à l'intérieur et ça vous permet comme ça de pouvoir recharger à chaque fois votre gel douche et d'éviter d'utiliser des packaging, nouveaux packaging à chaque fois. Donc être un petit peu plus réutilisable. Donc là ils nous disent... C'est un packaging naturel body wash, donc c'est pour se laver. Et voilà, ça c'est la recharge. J'ai hâte de tester ça, j'ai pas du tout testé. Donc, et là, on a le packaging de base. Alors, cool. Si je me trompe pas, j'ai l'impression que ça se glisse directement dedans en fait. Ouais, c'est ça. Regardez, hop, vous glissez dedans en fait directement, vous ouvrez. Je vais y arriver. Ça sent super bon, tiens. Très bien. Vous mettez le haut du packaging. Là. Hop. Vous fermez le tout. Voilà, c'est scellé. Et après, là c'est ouvert, hein, y a le gel douche. Vous mettez du coup la pompe. C'est hyper bien fait. Et après, vous avez juste à racheter du coup les recharges à l'intérieur. Et là, l'odeur, elle sent très très bon. Je trouve que le packaging est très beau. À glisser dans la salle de bain, c'est super élégant. C'est canon, 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 canon. Ils m'ont envoyé un deuxième, donc dans ce format là où ils m'ont fait un gros collier. Donc hop, on a encore ici un packaging. Et là je vois qu'ils m'avaient envoyé encore une recharge d'un autre déodorant. C'est le Purple Rain. Il sent bon. Alors je pourrais pas vous dire l'odeur, qu'est-ce que c'est Purple Rain, mais j'aime bien, c'est hyper doux, hyper, j'aime beaucoup.
Ma fille, elle aura du choix. Et puis moi, je vais pouvoir utiliser le mien. Il est pas encore terminé. Alors attention, ça suce quand même, je trouve, assez vite. Mais faut pas abuser hein, sous les bras, parce que ça glisse sous les bras, ça qui est agréable. Mais faut pas en mettre 3 tonnes. Et le deuxième packaging, c'est tout rose comme ça, trop mimi. Et celui-ci, qu'est-ce qu'on a de beau comme odeur? Est-ce que c'est la même odeur? Non, celui-ci c'est Ocean Mist. Alors que tout à l'heure, c'était Thunderstorm. Oui, avec mon accent hyper beau. Thunderstorm, c'était cette odeur-là. Et là, la deuxième c'est Ocean Mist. Alors je préfère le premier. Hein. Thunderstorm, je vais pas y arriver. Ce qui est pas mal, le côté flacon pompe, hein, on va pas se leurrer, mes enfants vont en mettre beaucoup moins parce que malheureusement des fois les gels douches qui se versent comme ça, mes enfants sont... Ils en mettent une tonne, au moins là ils pourront mettre une ou deux pompes grand max et on sera tranquille. Donc ça c'est vraiment pas mal. On va quand même l'utiliser hein, celui Ocean Mix là parce que si ça se trouve sous la douche, il va être trop bien, il va être canon. Donc hop, je le mets quand même. Moi je vais mettre les deux dans ma salle de bain. Comme ça il y en a pour moi, pour les enfants, pour tout le monde. Et l'avantage c'est que vous pourrez recharger après sans problème hein, racheter soit des recharges, soit même mettre après votre gel douche dedans. Mais dans l'idée d'écologie, c'est que vous pouvez voilà racheter juste les recharges. Et après il est trop beau, ils sont magnifiques voilà. Je vous montre les deux, mais regardez ça va être trop mignon. Si vous voulez une salle de bain un peu voilà, avec des couleurs pastel, c'est trop canon. C'est canon, écologique, plutôt bien pensé, ils font attention à la planète. Donc je trouve que dans l'idée là, Wide, ils ont tout compris. Le dernier colis de cet unboxing et après on va aller passer au concours d'ailleurs et à un petit peu de tri. Le dernier colis, c'est un colis que vous avez sûrement vu sur plein de vidéos. Vous le savez, moi je commence à vieillir, hein. Cette année j'approche des 40 ans. Et j'avais envie de tester un petit peu la fameuse marque Round Body. Donc ils m'ont envoyé un colis hyper bien protégé, c'est hyper bien scellé, c'était nickel au niveau de l'envoi, avec des masques hydratants. Donc je pense que ça je vous en glisserai dans le concours là pour tester aussi. D'ailleurs dans le prochain concours avec le lot que je vais vous préparer là tout de suite, je vais vous mettre le petit mot, on va mettre quoi le mot On va mettre le mot masque, parce que je pense que je vais vous mettre pas mal de masques dans ce lot là. J'ai pas mal de masques à vous offrir, dont un masque de Current Body. Donc pareil, ça je vous mets les références, toutes les références dans la barre d'infos, et vous pourrez tester avec moi. Donc là dans votre si vous voulez gagner un petit lot sympa de ma part, et bien vous mettrez le mot masque. Et donc la marque m'a envoyé, la marque Current Body Skin, le fameux masque justement en LED. Les fameuses LED là. Et honnêtement, avant je voyais dans les vidéos, je suis oh là là, n'importe quoi et tout, je suis pas sûre que ce soit efficace. Et en fait j'ai regardé un petit peu les propriétés de ce masque et ça m'a donné envie de tester. J'en ai parlé à mon mari du coup pour essayer de le convaincre. Il y a 97% ont trouvé que leur peau était rajeunie grâce à ce masque aux lumières LED. Voilà, sur le site hein, c'est comme ça. 90% ont constaté que leur peau était plus radieuse, 92% ont constaté que leur teint était plus net et 100% des clients sont satisfaits. Bon après ça c'est écrit sur leur site hein. Mais alors ce qui m'a intéressé c'est que grâce au LED, à cet effet de LED, ça améliore l'aspect des ridules et des rides. Donc ça c'est pas négligeable, hein, 40 ans ça approche. Ça améliore l'élasticité et la fermeté de votre peau et c'est ce que je constate là, j'ai vraiment moins de fermeté. Ça booste l'éclat. Ça réduit l'hyperpigmentation, donc moi j'en ai pas spécialement, mais si vous en avez, ça peut peut-être vous intéresser. Et ça apaise les rougeurs et les inflammations. Donc je me suis dit, il faut trop que je teste. Donc je vais peut-être me faire une petite routine où je vais l'inclure dans ma routine. Et je vous en reparlerai après plusieurs essais évidemment. Donc il y a le masque donc à base de LED à l'intérieur, donc ça se présente comme ça. Vous voyez, il y a toutes les petites LED à l'intérieur. Le câble pour le brancher. On a évidemment le guide pour lire un petit peu les explications. Le sachet pour le ranger, donc c'est super bien fait. Le scratch pour pouvoir le tenir derrière la tête et que ça ne tombe pas toutes les deux secondes. Les petites lunettes pour pas avoir mal aux yeux. Donc ça, vous pouvez vous le mettre pendant un certain temps. Il faut que je regarde combien de temps. Vous vous posez dans le canapé avec ça et vous vous détendez avec une petite musique douce. Ça peut être cool. Et voilà, les câbles, tout ça, de recharge. Et alors, on a un autre. Alors, on a ça avec, je ne sais pas ce que c'est. Je vais regarder un petit peu de plus près. Ça doit être... pour les fonctionnalités et tout ça, mais ça donne envie. Bref, je testerai, je vous en parlerai. Là, je voulais vraiment juste l'unboxer pour pouvoir vous en parler. Et maintenant, je vais tester. Bon,
On va tout de suite tirer au sort. Où est-ce que j'ai mis mon téléphone du coup pour tout ça? Mon téléphone était dans la boîte. Je l'avais perdu au fin fond du carton. Donc maintenant que j'ai fini avec mes colis, je vais reprendre ma vidéo où je vous avais fait donc le petit concours un peu surprise dans la vidéo. C'était on avance dans le tri. Et ma mission de cette semaine de vacances, c'est aussi de continuer à trier et continuer de mettre sur Vinted. Donc après, si j'ai un petit peu de force, je vais aller trier. Vu que mes enfants vont être à la garderie cet après-midi, faire des activités au centre de loisirs, je vais trier mon meuble, mon fameux meuble de make-up, soins, enfin surtout de soins, parce que le make-up il est ici et j'ai pas encore mis mon nez dedans. Et comme ça après je vais pouvoir mettre des choses sur Vinted. Donc dans ma dernière vidéo, vous étiez quand même plutôt pas mal, hein. Il y a plus de 80 commentaires. Il y en a certains que j'ai répondu, il y en a d'autres, j'ai pas encore eu le temps de répondre. En tout cas, vous étiez pas mal à mettre le mot. C'était quoi à l'époque? Je crois que c'était le mot tri, hein. Donc là, n'oubliez pas, pour ce concours-là, c'est le mot masque. Et je vais vous montrer après le petit lot que je vais vous préparer. Mais du coup, dans le mot tri, on va faire au hasard. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, hop, je me mets sur les commentaires. Vous voyez, je fais défiler les commentaires. Bah, 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 bah. En avant, en arrière. Alors, je sais pas qui sont les commentaires. En avant, en arrière. Et quand je m'arrête sur un commentaire, je vous dis le nom. Donc ça, c'est en direct. Et la gagnante ou le gagnant, si elle regarde cette vidéo, elle me contacte par mail ou via Instagram pour pouvoir me donner ses coordonnées et que je lui envoie son petit colis en mondial relais. Allez hop, parce que vous savez mes frais, donc on va aller en mondial relais, c'est ce que je préfère. Hop là, coucou, quel courage il t'a fallu pour faire tout ce tri, donc il y a bien le mot dedans, mais c'est sympa à regarder, merci. Il s'agit de Keltoun Benzaoui 9010. Donc je vais faire un screen écran, comme ça je vais me rappeler de son commentaire. Je vais évidemment vérifier si elle est bien abonnée évidemment à mon compte, si elle a bien liké, etc. Et sur ce, voilà, le tirage au sort est fait, vous voyez. On va faire comme ça et là on va pouvoir vous en faire un nouveau. Aujourd'hui j'ai préparé tout de suite le colis. Donc la personne a le pseudo Keltoum Benzaoui. Si tu tombes sur cette vidéo et que tu te reconnais, n'hésite pas à me contacter par mail pour recevoir ton lot et qu'on s'organise. Voilà, alors je vais prendre une des boîtes que j'ai reçues aujourd'hui et je vais la remplir pour vous. Déjà, je vous ai mis la bougie, je vous ai mis les petits soins, etc. Là, des petits contours des yeux, des petits shampoings. Je vous mets le déodorant Wild avec une recharge pour pouvoir vous aussi tester. Et puis, je vais compléter ici. Là, il y a un peu de place. Donc, je vais rajouter tout à l'heure des petits produits pour compléter ce beau concours. On se retrouve dans ma chambre. J'ai préparé un bac à vendre. Ça va être à donner. Ça, je pense que ça va être aussi à vendre pour mettre tous les soins que je vais mettre de côté. Et là, il y a votre bac pour vous du concours où je vais rajouter des petites choses dedans. D'ailleurs, finalement, je me suis dit que le pinceau, j'allais vous le laisser. Comme ça, vous pourrez faire votre petit combo à vous aussi. Donc voilà, là, on va... Tout ça, il faut que ça soit rempli de produits pour me débarrasser. Tiens, je viens de recevoir ma petite lettre Sephora. Je crois que ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Gold. Ah, c'est ma carte gold. Ah, c'est renouvelé pour une année, je pense. C'est ça, c'est bien ça. Pourtant j'ai essayé de m'en dépenser l'année dernière, mais bon, je vois que je suis encore gold. Bref, voici l'espace que je dois ranger. Vous voyez, tout ce meuble là est rempli de soins. J'avais commencé avec des petites choses de côté. Donc ça, je pense que je vais vendre tout ça. Parce qu'en fait, celle-ci, il y en a un que j'avais utilisé. Alors c'est pas celui-là, hein, je l'ai donné à quelqu'un. Mais il y en a un que j'avais utilisé et que j'aime pas. Ça me fonctionne pas sur ma peau. Donc ça, bah, je vais les vendre. Ceux-là, ils sont totalement neufs et j'en ai deux. Ça aussi, ça va être à vendre. Ça aussi, je pense que j'ai mis à vendre ou pas. Ah non, celui-là, je vais le garder. Pourquoi je l'ai mis là? Celui-là, je vais le mettre à vendre. Oh non, ça! Tiens, cette petite mousse-là, je pense que je vais la mettre dans votre concours. Comme ça va faire une petite mousse nettoyante en plus. Je pense que ça, ça m'intéresse pas trop. Même si c'est une très très bonne marque, je pense que je vais vous glisser dans le concours aussi.
Voilà comment ça se passe quand on ouvre. Mes tiroirs sont assez bien catégorisés. On dirait pas comme ça, mais si. Donc bon, là, on a un lot typologie que je garde précieusement. Et ici, vous avez tout ce qui est démaquillant, huile démaquillante, gel nettoyant. Et à côté, tout ce qui est lotion pour le visage. Donc là, c'est vraiment pour la routine du visage. Et là, bah, c'est des produits un petit peu en plus. Donc pareil, là, il faut vraiment que je trie. Il faut que ça se vide. Il faut que j'en garde que, allez, on va se dire 5-6 grands max. Enfin, 5-6 de chaque catégorie. Hein. Aidez-moi, donnez-moi de l'énergie. On passe maintenant au deuxième tiroir et ici on a tout ce qui est soins du visage, donc gommage et masque je pense, et ici sérum et crème pour le visage, si je me trompe pas, ça doit être quelque chose comme ça. Donc on va commencer le tri. Brume d'eau, je vais la mettre par ici je pense parce qu'il y en a déjà une deuxième là, et là il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup trop de choses à mon goût. Faire ce dernier tiroir ensemble, et là c'est tout ce qui est soin du corps, c'est un peu le bazar, hein. Soin du corps, crème pour le corps, et là il y a des huiles, non il y a des gommages pardon, je crois que c'est gommage et crème pour le corps, huile, il y a trop de choses, donc il faut que je trie clairement aussi. Voilà pour le dernier tiroir, ma foi c'est un peu plus ordonné, j'ai encore du mal à dégager beaucoup, mais je vais y arriver, hein. En tout cas c'est déjà pas mal. Et voici tout ce que j'ai mis, donc là ça va être pour vendre toute cette partie là, et là c'est pour donner autour de moi, à mes proches, à ma famille, à des collègues, tout ça. Et alors pour le concours pour vous, j'ai rajouté pas mal de choses, regardez-moi ça.
Ici, j'ai rajouté des huiles, des gommages, des crèmes pour le corps, des masques, des... Enfin voilà. La boîte, elle va pas fermer, mais je vais vous mettre ça dans un gros carton. Donc voilà, s'il faut, je rajouterai encore des petites choses. N'oubliez pas, il faut mettre le petit mot masque dans les commentaires. Je suis contente d'avoir déjà avancé dans ce tri là. C'est pas parfait, j'ai pas vidé autant que je l'aurais voulu. Vraiment, c'est dur parce que vraiment tout ce qui est sérum et crème pour le visage, c'est des soins que j'adore, mais je sais que j'en ai pour toute une vie. Donc ce que j'ai fait, c'est un premier pré-tri que je vais donner un peu autour de moi. Et je sais que quand ma mère elle viendra au mois d'avril, elle va regarder aussi à l'intérieur s'il y a des petites choses qui vont lui plaire. Donc je ne m'inquiète pas, et puis je vais donner, comme je vous ai dit, autour de moi. Au fur et à mesure des mois, on va y aller par étapes, hein, parce que vider sa maison pour partir à l'étranger, c'est pas facile. Bref, petit cappuccino, j'ai acheté cela hier sur le drive d'Auchan. Et du coup, bah, j'ai goûté ce matin. C'est pas aussi bon que le Nescafé, mais c'est pas mal. Donc je vais m'en faire un là. Petite pause cappuccino et après je vous reprends. Ma superbe tasse Starbucks aux couleurs du Canada, mon mari m'a offert d'ailleurs le jour où on a reçu notre fameux mail pour la résidence permanente. Non, ne vous moquez pas, c'est toujours le même jour. C'est juste que j'ai réussi à me tacher avec mon cappuccino. Évidemment, j'achète un pull blanc, il fallait que je me tache avec la seule goutte de mon cappuccino qui part, bim, en plein milieu. Du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait en tant que psychopathe? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je tâche quelque chose, j'ai absolument le nettoyer, ça me stresse. J'ai absolument, enfin, j'ai très très peur que la tâche, elle... en plus, c'est tout neuf, quoi. Que la tâche, elle reste. Du coup, j'ai lancé une machine de blanc et mon pull, il est déjà en train de sécher. Pendant que ça lavait, hein, j'ai fait mon montage parce qu'avec mon cappuccino, de toute façon, mon objectif, c'était de faire mon montage pour que cette vidéo, elle soit en ligne demain. Comme ça, je pourrais envoyer le colis concours, etc. De la gagnante dès qu'elle m'aura donné ses coordonnées. Et vous retrouver la prochaine fois dans un nouveau vlog, peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, avec les résultats aussi pour ce nouveau concours d'aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu vraiment. N'hésitez pas à me soutenir. D'ailleurs, en parlant du Canada, puisque aujourd'hui dans cette vidéo, je vous ai parlé du Canada, de ma résidence permanente. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Sur ce, je vous fais des bisous. Salut !